asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of goose, hags, and rays. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Witcher et je reviens de vacances. Non, je déconne, hein, je reviens pas de vacances à chaque épisode hein, parce que sinon ce serait relou. Et aujourd'hui, nous allons rapporter à Priscilla ce qu'on a appris de Doudou, hein, Doudou le petit nain, si vous vous rappelez. Priscilla, où es-tu? Priscilla? Ouh, elle est en haut. Très bien, montons. Montons, et j'espère que je vais pouvoir aller à Skellingrad un peu parce que bah, ici c'est un peu chiant. Hein. Voilà, ah oui, c'est ici. Je m'en rappelle avec l'autre ici, le relou là. Salut toi. Calme-toi, hein. C'est Gérard. Gérald, pardon. Salut Priscilla. Je crois savoir comment délivrer Jaskier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. Mais il est avec moi, Doudou. Quoi consiste ce plan? Ah non. Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jaskier pour Oxenfurt. On le récupère en chemin. Ouais. Mais comment comptez-vous trouver Doudou? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Ah, Doudou, c'est un Doppler. Ah, c'est le Doppler, effectivement. Il refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Effectivement, effectivement. Il n'est pas réapparu. Alors, il faut réussir à convaincre Doudou de refaire surface, mais comment faire? Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message, une personne de confiance. Jaskier, qui sait où est Doudou? La troupe d'Irina Renard et... Ah bah donnons à Jaskier alors. Mais qu'il a rien compris. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations. Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Ouais. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça après tout. D'accord, bah allons voir la troupe alors. Une pièce est peut-être la solution. Ouais. Je m'en fous du lien, hein, en vrai. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Le convaincre de se dévoiler. Bonne idée. Je lui glisserai entre les fesses. Non ? Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur ? Que suggérez-vous ? Il faut écrire une pièce entière en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier. Oui, il faut faire de la pub, il faut placarder des affiches un peu de partout. Bien sûr, vas-y, on a tout le temps, hein. De toute façon, on n'est pas pressé. On ira à Skellingrad dans 28 épisodes, il n'y a pas de soucis. Une idée pour l'intrigue? Non, j'ai pas d'idée. J'espérais. Jaskier qui a volé. Et que nous souhaitons libérer Jaskier. Le message se doit d'être clair tout en étant artistiquement fondu à la dramaturgie de la pièce. Oui. Bah écoute, je laisse le scénario faire parce que moi j'ai aucune idée. Ouais, tout est clair, allez. Tout est clair. Mais c'est toi qui devine, hein. Il faut maintenant trouver une forme d'expression pour notre contenu. L'idéal serait un récit haletant et contemporain. Ouais. Sur les condottières de Bovis, peut-être. Je sais. Pas con. Lorenzo Mola. L'histoire d'un bandit aussi beau qu'impitoyable. Ah mais là je suis totalement d'accord. Obligé de se cacher, le Doppler ne peut compter que sur un ami fidèle qui se trouve être sorceleur. Waouh. Ce dernier est prêt à tout pour sauver sa fille. Oh, ça me rappelle quelque chose. Sa bien-aimée. Non. Par contre, oui, après bon. Non, allez, vas-y. Je suis partant. Bonne idée. Sincèrement, Lorenzo Mola. Oui. Ou pas. Attendez. Ah, mais vas-y, on s'en fout. Nous allons mettre en scène la vie de l'orphelin d'Erlenwald. Non. Amour secret, fiançailles, malédiction, reine cruelle, cloche sonnant à minuit, youhou. Et là, il montre son vrai visage. Celui d'un monstre venu enlever la princesse Pavetta. On veut sa mort. Et c'est là qu'entre en scène un sorceleur. Mais ça n'a rien à voir avec mon histoire. Merveilleusement. Bien, on part sur ça. Vous souhaitiez intervenir? J'ai mon mot à dire ou pas? Parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était bon et t'as tout changé. Pourquoi râlez-vous?
c'est l'essence même du processus créatif. Brasser des idées et retenir les meilleures. Moi, je préfère la bière. Ma foi, j'ai plus l'habitude du théâtre que vous. Qu'est-ce que t'en sais ? Vous allez aussi participer aux préparatifs de la pièce. Je suis un grand acteur, Jasky moi. Jasky vous expliquera plus tard. Ouais. Bah allez, il faut un bon titre. J'ose dire que c'est plus important que l'histoire elle-même. J'ai quelques oui, idées. Oui, surtout que... Une fois que Doudou il sera là, il sera là, quoi. Chapitre cette fois-ci. Bien sûr, nous sommes co-auteurs. Je coordonne, c'est tout. Il m'en vient deux épatants. Le salut du Doppler et sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. Lequel préférez-vous ? Le salut du Doppler. Partons sur le là, ça fait trop... C'est court, accrocheur. Ouais, voilà. Là, ça fait trop long, trop... C'est qu'il n'y a pas de Doppler trop précis, en fait. Juste une princesse et un orphelin maudit. Eh ben, faut rajouter un Doppler. L'orphelin est en réalité un Doppler. Bah voilà. Tout ce qui compte, c'est le message. Un sorceleur. En plus, c'est un nain, alors c'est déjà comme vous un enfant. Où je vais en venir. Entendu. Ce sera une comédie. J'étais parti sur un bon gros drame, mais si vous préférez quelque chose... Non, moi, léger, je préfère le drame. À vous de trancher, et je m'y mets. Ah, je préfère le drame, ouais. Oui, vous avez raison. Rien de tel qu'un drame. Ouais, voilà, très parfait. Bien. Je me mets au travail. Pendant ce temps, trouvez-vous un coin pour lire ou méditer, d'accord ? Oh la relou ! Bon. Et je dois méditer combien de temps ? Pas besoin d'aide pour l'écriture. Gérald ? Comme si on avait que ça à foutre. Une rime avec sorceleur ? D'une air fossoyeur. Quoi ? Rendormez-vous. Ouais. Voilà. Avec un peu plus de temps, je pourrais en faire un petit chef-d'œuvre, mais... Mais ça suffira, on s'en fout. Un message caché pour Doudou. Comment l'avez-vous formulé ? Un message caché ? T'es sérieuse, là ? Vous avez trouvé quelque chose du genre. Rendez-vous à l'aube au Martin Pêcheur. Ça n'irait pas avec l'ambiance de la pièce, mais alors pas du tout. Mais on s'en fout ! Pour contacter Doudou, je vous rappelle. C'était le but. Oh là là, mais la tocarde, mais mon Dieu ! Je ne sais pas. Je comptais le reconnaître avec sa cicatrice ou improviser. Nous verrons ça plus tard. D'abord, apportez le texte à Madame Irina. Putain, mais quel relou, sérieux. Vous saurez où la trouver ? La troupe se produit... Je sais pas qui c'est. ...près de la grande place. D'accord. Je vous retrouve là-bas. À plus tard. Non, mais je veux même pas la retrouver. Elle m'a déjà gavé, en fait. N'importe quoi, la meuf. Elle a fait une pièce de théâtre, genre... Il fallait qu'elle mette un message. Non, ouais, mais bon, ça va pas trop avec la pièce. Ta gueule ! Putain ! On s'en fout, même si c'était de la merde, le tout c'était que l'autre y vienne. Bon allez, on va voir, on va chercher Irina. Hop. Eh ouais, de la barrière, elle me gêne. Ça va, c'est que 40 pas. Voilà. Ah, c'est là-dedans ? Ah bah oui, la pièce de théâtre. Je peux plus rentrer par là. Ouais, mais tu peux ouvrir, s'il te plaît. C'est ici que se produit la troupe. Le mec qui s'appelle Ouvreur, s'il te plaît. Ouais, mais on entre qu'avec un billet. Font répéter la représentation pour l'instant, mais c'est plutôt intéressant à regarder. Et on a où le billet ? Alors, vous voulez un billet ? Ah, il faut payer ! Vous avez dit qu'ils sont simplement en répétition. Vous pouvez quand même prendre un billet. Alors ? Bah, je vais te... Besoin d'un billet ? Ah, je vais contrôler ton esprit. Ah, je peux pas ? Oh, fuck ! Vas-y, allez, je prends un billet. Mathieu, non ! Et faites-vous discret. Ils sont timides quand ils répètent, ces artistes. Ouais. Je vais sortir mon portable, j'ai tout filmé. Salut ! C'est moi ! Allez. Hop ! On va sur scène. Au voleur ! Au voleur ! Au juste ciel ! On me l'a volé ! On m'a volé mon argent ! 50 pièces d'or, d'ailleurs. Eh oui ! Juste pour des billets. C'est toi qui as volé! Rends-moi mon argent, coquin! Non? Bon, c'est qui Irina? Elle est là-bas. Oh, salut Irina! Madame Irina, je peux vous parler? Gérald de Rive. Comment tu sais qui je suis? Ah, d'accord. Il est avec vous? C'est vrai que si t'es pote avec Jasky, forcément. Bientôt. Je suis ici à propos de Doudou. Allons dans ma loge, en coulisses. Oh! Déjà? On vient de se connaître? Bon.
Que puis-je pour vous? Nous sommes sans nouvelles de Jaskier et Doudou. Je veux faire une pièce pour retrouver J'ai Doudou, s'il te plaît. J'ai une pièce à vous proposer, qui attirera les foules. Je vois. Vous comptez piquer l'attention de Doudou au vif, l'attirer ici. Il doit donc s'agir d'un livret inédit. Et qui en est l'auteur? Priscilla, elle vient de l'écrire. C'est l'histoire d'un sorceleur qui sauve un Doppler d'une mort certaine. Voilà. Intéressant. Non mais jette pas un œil, accepte. Mais pensons déjà à la publicité et à des... Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut. Bon, la sécurité, on s'en fout un peu. Hein. Non. Comment puis-je promouvoir la pièce de théâtre? Faut coller des affiches. Comme toute la ville doit en entendre parler, faisons appel aux macareux. C'est qui les macareux? Qui sont les macareux? Des artistes de rue. S'ils annoncent la première, même les moules incrustées dans les piles du port seront au courant. Ah, mais c'est pas dit qu'ils viendront d'ailleurs. Quelques chambres d'une maison de ville là-ci. Mais j'ignore s'ils s'y trouvent toujours. Ces derniers temps, je ne les croise plus en ville. Ils ont pu finir à un crochet de boucher. Je tâcherai de les trouver et de les engager. Ok, du coup, pourquoi des gros bras? Vraiment? J'ai pas besoin, certes, moi je suis déjà un gros bras, regardez mes bras. Les esprits. Mais un service d'ordre est-il nécessaire? Je ne sais pas si vous êtes un habitué du théâtre. Mais à Novigrad, le public se montre parfois très... difficile. Des œufs, ça va. Des pommes pourries, des tomates, ce genre de choses? Plutôt des haches, des couteaux de boucher et des boules volantes. Ah oui. Ah d'accord. Je vois. Ok. Vous savez où je peux recruter? Ah c'est sympathique aussi, hein, écoutez. Sur les quais, peut-être? Ça fait un peu plus mal que les tomates. Il y a totalement des gens prêts à tout pour une poignée de couronne. Bon allez, à plus tard. Merci. Je reviendrai quand j'aurai trouvé des gros bras. Très bien. Voilà. Au revoir. Ciao. Alors, trouvons des gros bras. Recruter des jongleurs au sein de la troupe des macarons. Est-ce que t'as un jongleur, toi? Et toi, t'as un jongleur? Mais c'est qui les jongleurs? Je sais même pas où ils sont. Ils sont dans la ville, apparemment. Un comédien, toi, t'es pas jongleur. Hein. Ouais, ouais. C'est bien ce que je pensais. Alors, cherchons des gens. Donc là, carte. Où c'est qui m'emmène l'autre point? L'autre point... Oui, c'est pour les jongleurs. Donc on va déjà aller chercher les jongleurs, plutôt, en premier. Parce que c'est facultatif, mais j'ai envie de le faire. Hein. J'ai envie que ce soit bien foutu. Voilà. Hop. Allez, on saute par là. Oh, allez. Salut. Et toi, t'as des gros bras, toi. T'es vieux, mais t'as des gros bras, non? Eh. Oh, 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 calme-toi. Du coup, qui est là? Par là-bas. Je sais pas c'est à combien de pas, mais bon, on va sûrement vite y arriver. Je fatigue. Gérald, il a plus l'endurance de quand il était jeune, hein. Maintenant il est vieux. Regardez ses cheveux blancs. Lol. Ah, donc c'est ici. Alors, les jongleurs, salut. C'est à l'intérieur, vous pensez? Ah oui. Hey, salut. Non. Jolie mélodie. C'est qu'elle s'accorde à mon humeur. Que cherchez-vous? Les macareux. Je cherche les macareux. Les oreilles. Et autre chose, si... Laissez-nous. Il y a mes non mais je veux pas, non, y a pas de soucis, je veux pas te prendre des sous. Je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser notre loyer. Ah, j'ai compris. Bon, il va falloir casser la gueule au taulier, je suppose. Au contraire, je suis disposé à vous payer, si vous annoncez la nouvelle pièce de Madame Irina. Impossible. Hélas, depuis la première de notre balade, Saint-Emelfart, ta foi s'éteint, tu te goberges et trousses tes catins. Voilà, c'est quoi ce titre? La bande de Grolard nous harcèle sans le moindre répit. La bande de Grolard? Des brutes épaisses à la solde du feu éternel. La ville en est pleine. Ils ont menacé Nissa. Et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer. Oh, ça va, au moins elle sera humaine. Au moins elle sera humaine, hein? Saccage nos instruments. Depuis peu, ils campent devant chez nous. Nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs. Et tu veux pas que je leur casse la gueule? Ferez-vous la publicité de la pièce si je vous aide? Bien sûr. Si je convainc Grolard et ses sbires... Bon, par contre, calme-toi. Grolard, c'est très insultant. La publicité de la pièce d'Irina.
Bien sûr, mais... ce ne sera pas facile. Ils ne sont guère causants. Oh, t'inquiète pas, moi non plus, je suis pas causant. Quelle coïncidence. Moi non plus. Du coup, où sont-ils? Éliminer les bandits. Devant la maison, c'est par là. Ils sont là, salut. Eh. Bonjour. J'ai rien dit. Mais t'as rien dit. Par contre, vous... Eh, arrêtez de l'embêter, là. Lâchez-le, c'est qui? Alors comme ça, c'est vous. Eh, hey, Groulard, regarde qui voilà. Je rêve? Ou t'as des yeux de chat, toi? Eh, hey, te moque pas. Ils sont très beaux, mes yeux. Ma mère a dû fauter avec un chat de gouttière. Eh, hey, te moque pas. Ma mère avait des besoins urgents. Bon, allez, laissez les macarons. Non, mais en fait, je veux leur casser la gueule. Je vois pas pourquoi t'essayes de parler. Pour insulter le hiérarque Belfart, qui l'ont traité de fornicateur, plutôt éteindre le feu éternel. Qui viennent un peu, ces foutus. Montre-moi tes bras, s'il te plaît. On leur montre où se carrer leur maudite flûte. Oh, comme ça, ils joueront à l'air chaque fois qu'ils pèteront. Non, mais le mec. Oh, le lourd. Oh, le lourd. Oh, le lourd. Jamais il en rajoute trop, tu sais. Bon, allez, vas-y, tirez-vous. J'ai pas envie de les contrôler, j'ai pas envie de les payer, j'ai envie de les dégommer. Ouais. Allez, dégage. Ça va saigner. Eh ouais, un peu de combat quand même dans cet épisode. Aïe, aïe, aïe. Aïe, mais... raté. Aïe. Bon, à deux moins. Non, 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 je veux les tuer. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, j'en tue un, il y a l'autre. Putain, en plus, j'ai pas tué le gros lard. Quel spectacle. Une vraie raclée. Un, deux étalés. Et là, boum, en pleine poire. Non, en fait, je l'ai pas étalé. J'en ai étalé qu'un seul. Merci, merci beaucoup. Allons, ce n'est rien. Oh, si c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voix à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois? Oh. Pas une couronne. Vous nous avez aidés, c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir. Eh, au plaisir. Bon, c'est cool. Au moins, j'ai pas besoin de payer pour une quête. Et la quête facultative est faite, c'est nickel. En fait, là, je l'ai sauvé la vie, il me dit rien. C'est toi que j'ai sauvé la vie, là? Pas du tout, vieille femme. Qu'est-ce que tu fous par terre? Je crois que c'est un endroit. Non, mais je te jure. Oh, le gars, il s'est barré. Je lui ai sauvé la vie, il s'est barré. Et du coup, c'est à 425, donc on va faire une petite ellipse, hein, le temps d'arriver là-bas. Ok, là. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, on va pas faire une petite ellipse. Allez. Toi, t'es mort. Bon, ils sont pas très forts. Hein. Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. C'est tout? Bon, bah, si, on va faire une petite ellipse. Salut. Allez, je vous dis à tout de suite. Et nous voici arrivés au niveau des gros bras. Et il y a des gens qui combattent. Moi aussi, j'ai envie de me battre. Eh, je peux me battre? Eh, toi, t'as des gros bras. Oh, toi, c'est nickel. Oh, toi, je te veux le taureau, là. Beau combat. Joli jeu de jambes. Non, je veux pas savoir ce qu'ils font avec leurs jambes. Ou tu préfères affronter Al? N'importe qui. C'est lequel le plus fort? Taureau de Métina. L'instinct du tueur face à la bestialité. À mon avis, il se la pète un peu. J'aimerais vous engager. On donne une pièce de théâtre. Faut qu'on botte des culs sur scène. Exactement. En tant que gros bras, plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs. C'est pas notre truc, l'ami. Nous, on botte des culs. Et si je te botte le cul? Que dis-tu d'un défi? Si je bats Al, vous travaillez pour moi. Gratis. Ah, gratuit en plus, nickel. Al et le théâtre, ça fait deux. Chagrin d'amour, je te passe les détails. Sérieusement? Ce gros barbare là? Voilà le topo. Nous deux contre toi. Le combat du siècle. Un sorceleur contre le dragon à deux têtes de Métina. Et tu crois que c'est égal? Et si je perds? Oh. Il faudrait encore rajouter trois personnes avec vous pour que ce soit égal. Allez, vous deux contre moi, c'est parti. Un petit combat là. Contre moi. Allez, je suis chaud là, je suis chaud patate. Si tu perds, on la garde. Merde.
Bon, il le double en plus, donc ça fait 140. Allez. Je double le gage, comme convenu. Mais moi, ça me va, de toute façon, je perdrai pas. Je reprends tout. Enfin, j'espère pas. Al, finis ton client. On a un candidat spécial. Et là, pouf, il a fini. Ah, ça y est, ça commence. Allez, viens là, viens là. Viens là, mon cochon. Là. Hop là, esquive. C'est comme ça qu'on tape. Comme ça, j'ai dit. Hop là. Raté. Bon, je vais m'occuper du bleu, là. Non, bon, bah, lui, il veut commencer. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Calmez-vous. Hop là, esquive. Aïe, aïe, aïe. Eh, je vais perdre, hein. Ah, putain, c'est compliqué, je ne vois rien. Prennent pas beaucoup de dégâts. Allez. Ah, putain, alors que moi, je prends cher de cher. Hop là, un de moins. Comme ça, dans ta gueule. Voilà. Allez, je les ai battus les deux. Pas souvent que tu te prends une raclée pareille, hein, Al. Mais toi non plus, hein. Il est muet comme une carpe, mais je le vois à ses yeux. Il t'aime bien. On se repose un coup. Je vais casser la gueule, alors du coup, il m'aime bien. Et gratuit, hein, Al. Ah oui. Viens, reprends ton or et te bile pas. On sera là avant que... Le bal commence. Bah nickel, c'est parfait ça. T'as pas trop mal toi? Parce que toi je t'ai bien niqué aussi. Hein. Coup de genou dans la gueule. Et du coup il va falloir parler à Irina, mais ça sera pour la prochaine fois parce que, eh oui, c'est déjà terminé la fin de l'épisode. Un arbre. Hop là, esquive. Eh, vous, calmez-vous, c'est la fin de l'épisode. Dites au revoir aux viewers. Au revoir les viewers. Au revoir les viewers. Au revoir les viewers. Bon, voilà. Allez, ciao ciao, bisous, bye bye.